Et bonjour à tous et bienvenue chez UA Sport, Betting Place. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo puisque j'ai beaucoup de demandes et ça faisait quelque temps que j'avais envie de la faire. Et aujourd'hui, on va parler de la bankroll, donc la bankroll dans les paris sportifs et surtout au niveau du management de la bankroll en sport betting en anglais, les paris sportifs. Donc il y a beaucoup de questions qui reviennent, qui se ressemblent. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit point pour tout le monde pour qu'on puisse savoir déjà de quoi on parle et pour mieux appréhender les paris sportifs. Donc la première question qu'on me pose, c'est: salut Angelo, j'aimerais savoir avec combien je dois démarrer ma bankroll. Déjà cette question, je la trouve assez bizarre puisque c'est pas à moi de vous dire avec combien démarrer votre bankroll. Qu'est-ce que c'est une bankroll déjà? Donc une bankroll, c'est un budget qu'on va allouer aux paris sportifs. C'est un budget qu'on va sortir de son propre compte. C'est de l'argent, attention, c'est de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Donc on va déterminer cet argent. Quand je dis qu'on peut se permettre de perdre, c'est, vous savez très bien que d'aller au pari sportif, rien n'est sûr. Donc on ne va pas taper dans son salaire, on ne va pas taper dans le loyer qu'on doit payer. C'est de l'argent bonus qu'on va mettre de côté et on va se constituer une bankroll. Donc la bankroll, il y a deux étapes pour la bankroll. La première chose, c'est de savoir est-ce qu'on va faire une bankroll générale pour tous les sports qu'on va jouer ou est-ce qu'on va séparer les sports. Donc la bankroll, est-ce qu'on va faire des petites unités de bankroll? Moi, pour ma part, j'ai une bankroll générale, donc je joue tous les sports sur ma bankroll. Déjà que c'est compliqué de bien suivre, d'être assidu. Alors, si on commence à tout séparer, on s'en sort plus. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus méthodiques ou qui ont leur propre système et qui arrive comme ça. Moi, je fais qu'un seul sport. Alors, la bankroll, le budget qu'on va allouer à ces paris sportifs, on va prendre la bankroll comme un ensemble de U. Je vous ai fait un article sur la gestion des U, mais pour mieux récapituler tout ça, quand on parle de paris sportifs et de sommes engagées, les sommes sont relatives, puisque je le répète souvent qu'on n'est pas tous égaux face à l'argent. Donc, pour uniformiser tout ce système de mise et pour vraiment connaître les résultats de quelqu'un, on va parler de U. Une U, c'est un pourcentage de gains réalisés sur une période donnée. Donc, si quelqu'un vous dit, hier soir, j'ai gagné 350 euros, ok, 350 euros, si tu as joué 340, ok. Par contre, si quelqu'un vous dit hier soir qu'il a gagné 4 U, en sachant que chez moi et chez la plupart des parieurs, une U c'est 1%, puisque c'est le ratio. Une bankroll c'est 100 U, donc on divise sa bankroll par des petits bouts de U. Voilà, donc 4% d'évolution sur une soirée, je trouve ça très remarquable. Ça fait 4%. Voilà. Donc, dans le management de bankroll, il faut savoir que il faut être très très rigoureux, parce que là on commence à parler d'argent, on commence à parler d'investissement. Donc pour être rigoureux, on ne joue pas plus de 5% de son bankroll sur un pari. Il y a des cas particuliers, puisque moi-même vous me connaissez, j'ai joué des 10 U sur des matchs et j'ai même joué un 20 U sur un match. Le 20 U sur un match, c'était mon match de l'année. Donc qui dit match de l'année, c'est le match qui vient une fois par an. Cette année, il a été perdant. C'était les Seahawks qui recevaient les Cardinals en saison régulière. Je crois que c'était au week numéro 8. Bref, c'était mon seul 20 U de l'année qui a été perdant. Je n'ai pas refait de 20 U derrière. Il y a eu des 10 U et je sais très bien à quelle période. C'était pendant la période de Thanksgiving, qui est une période très très lucrative si on est bon en sport. D'ailleurs, elle l'a été pour ceux qui étaient là parmi nous à cette période de Thanksgiving. Depuis ce jour-là, sachez que je ne joue que des 1, 2, 3, 4 ou 5 U par match et 80% de mes bets sont entre 1 et 3 U. 1 et 3 U, pardon, c'est féminin. Pourquoi? Parce que les mauvaises séries arrivent. Ah oui, parce qu'on n'est pas des dieux des pronos, les mauvaises séries arrivent. On est tout simplement à côté, il manque toujours un point. Il faut toujours se dire que aujourd'hui c'est passé, même quand on gagne, aujourd'hui c'est passé, demain on va se retrouver sur une nouvelle carte, remise en question quotidienne, c'est ça. Donc pour pouvoir préparer, pour pouvoir se préserver des mauvaises passes qui arrivent sur une année, c'est obligé, tous les parieurs la connaissent, pour pouvoir se préserver,
on va jouer des mises rectilignes comme ça là sur les bêtes. Alors, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez imaginer un peu les U, les pourcentages. Admettons, avec un compte rond, ce sera beaucoup plus facile. Vous ayez 1000 euros à octroyer à votre bankroll de paris sportif. 1000 euros, vous allez prendre ces 1000 euros et le voir comme un grand gâteau que vous allez diviser en 100 parties. Donc 100 parties, chaque partie ce sera une U. Donc vous vous retrouvez avec 100 U à la fin. Donc 100 U de 1000 euros pour moi ça fait 10 euros par bête. Donc vous allez parier entre 1 et 5%, ce qui va représenter entre 10 et 50 euros par bête. En sachant, comme je vous expliquais, que 80% de mes bêtes sont entre 1, 2 et 3 U. Donc 10, 20 ou 30 euros par pari. Après, si votre bankroll vous le permet, vous ramenez toujours ce 1U à 1% de votre bankroll. Celui qui a 2000 euros de bankroll, il va pas jouer 10 euros, il va jouer 20 euros. C'est comme ça que je le vois. Un point très important quand on parle de bankroll, de gestion, de management, sachez, il y a une phrase que je vous répéterai toujours, il faut accepter de gagner 0,88 U quand on a perdu 2 U la veille. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que le commun des parieurs, donc les 97% de parieurs, ont toujours envie de se refaire. Voilà, perdre, c'est inacceptable. Perdre, on ne peut pas perdre. Je vous dis, perdre fait partie du métier. Celui qui n'accepte pas de perdre au pari sportif, faut qu'il arrête les paris sportifs. Voilà. Les professionnels de Las Vegas gagnent leur pari à hauteur de maximum 60% de réussite. Ça veut dire qu'ils perdent 40% de leur pari. Voilà. Quand vous aurez compris cela, quand vous aurez rentré ça dans votre tête, vous verrez les paris sportifs différemment. Voilà. On ne joue pas pour se refaire. On joue, on a une carte qui arrive, on a une continuité à faire. Hier est passé, demain n'est pas encore là. Si aujourd'hui je gagne, hop, demain on se replonge dans les paris sportifs, demain il y a un nouveau travail à effectuer. On ne joue pas pour se refaire. Si tu as perdu la moitié de ta bankroll, déjà c'est que tu es un âne, tu as perdu la moitié de ta bankroll samedi et tu rejoues l'autre moitié le dimanche pour te refaire, voilà. Qu'est-ce que tu as fait le dimanche quand tu as perdu? Tu as perdu toute ta bankroll sur un week-end. Voilà. Il y a un point très important que je voudrais aborder avec vous. J'aimerais savoir si vous écrivez vos paris, si vous consignez si vous faites votre propre bilan. Moi, je le fais puisque c'est mon métier, c'est ce que je fais pour vous. Je suis obligé de tenir un registre, mais même pour sachez que je joue mes bêtes. Donc, mon bilan est accessible en permanence sur mon site. Mais pourquoi déjà, si vous n'êtes pas chez moi ou si vous êtes tout seul à parier, pourquoi il faut écrire ces bêtes? La première chose à faire, c'est de se dire combien j'ai gagné. Parce que c'est bien beau, oui, bam, j'ai passé un combiné hier, j'ai passé ça, ça, ça. Mais sur un mois, combien tu as gagné? Sur une année, combien tu as gagné? Tu as perdu, tu as gagné, on ne sait pas. Donc, vous notez tous vos bêtes, vous faites le calcul à la fin du mois. Et surtout, avec ce calcul, vous verrez où sont vos erreurs. Vous verrez ce que vous avez mal fait, vous verrez ce que vous avez bien fait, vous verrez à quel moment vous êtes trompé et pourquoi vous êtes trompé, c'est très important. Revenir sur ses paris, revenir sur ses erreurs. Moi-même, j'en ai fait. C'est mon leitmotiv, je suis toujours dessus. Pourquoi hier soir je me plante, pourquoi demain, voilà, il faut toujours se remettre en question. Les paris sportifs, c'est ça. Laissez une trace aussi pour quoi faire, pour votre propre suivi, pour pouvoir savoir où vous en êtes, pour pouvoir savoir, tiens, au mois d'octobre, parce que vous vous rappelez les bêtes du mois d'octobre, du mois de septembre? Non, au mois d'octobre, voilà, j'ai fait ça, j'ai gagné ça, j'ai perdu ça. Voilà. Donc, je pensais pas faire une vidéo, là on est déjà à 8 minutes 55, je pensais pas aller aussi loin, ça veut dire que je parle, je parle, je parle, je parle. Voilà. Juste pour terminer cette petite vidéo sur le management de bankroll dans les paris sportifs, je vais juste récapituler. Donc, en 1, on détermine sa bankroll, on détermine le budget qu'on peut se permettre de perdre, le budget qu'on va consacrer aux paris sportifs. Par rapport à ce budget, je vous l'ai dit hier dans une présentation, mais il vaut mieux que je le laisse dans cette vidéo-là. Par rapport au budget, n'ayez pas peur de charger vos comptes de book en ligne au maximum de vos possibilités. Pourquoi? Parce que si vous mettez 100 euros par-ci ou 30 euros par-là, plus vous allez être proche du zéro et plus vous allez vous voir jouer pour sortir de cette zone du zéro.
Le fait d'avoir de l'argent sur ses books, ça permet déjà de ne pas avoir la pression de perdre, de ne pas avoir la pression de gagner. On a une ligne de conduite à faire et on continue sur cette ligne de conduite. On avance, on gagne 4 U, on perd 2 U, on perd 6 U, on gagne 10 U. Voilà, on avance et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà. Numéro 2, n'oubliez pas, on ne parie pas plus de 5% sur chaque bet de sa bankroll. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il n'y a pas de pari sûr. Les paris sûrs, ça n'existe pas. Le sport, ça reste du sport, ça reste de, je sais pas, mon prenons Buffalo qui va jouer à Chicago. Chicago, les Blackhawks, c'est des monstres. Eh ben non, et voilà, ce soir Buffalo a fermé la porte. Ce soir, Patrick Kane n'est pas dans ses patins. Il regarde sa meuf dans les tribunes. Voilà. Donc il n'y a pas de pari sûr. Donc pour se permettre de pouvoir continuer à jouer, de pouvoir suivre les U, suivre la tendance, on ne parie pas plus de 5% par pari, en sachant qu'un pari à 5%, c'est déjà un bon pari. Voilà. Je répète encore que moi, je parie entre 1 et 3%. 80% de mes bets sont entre 1 et 3% de bankroll. Voilà. Ne jouez pas pour vous refaire. Ne vous faites pas avoir à c'est bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, je vais combiner ce match avec celui-là. Souvent, quand je donne des matchs, on me dit avec lequel je peux le combiner. Non, mais la cote est à 1,90. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Combiner, combiner, combiner. Arrêtez les combiner. Arrêtez les combinés. C'est comme ça que les books se gavent. Voilà, vous multipliez les cotes, le produit des cotes fait que vous arrivez à une cote de fou, et dans votre esprit, ça fait tilt. Et ben, dans les poches des books, ça fait bim, bim, bim. Voilà. Surtout, à la fin de tout, consignez tout ce que vous faites. Hein. Essayez de garder une trace écrite. Je sais que c'est long, je sais que c'est dur, mais faites-le, vous verrez que vous changerez votre mode de pari sportif. Voilà, c'était Angelo, UA Sport Betting Place, c'est mon petit bébé, c'est mon projet, c'est mon grand projet. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis à 12 minutes, je vais prendre 4 heures pour la charger sur YouTube et je vais me régaler. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'ai préparé plein de plans là, je vais continuer sur cette lancée. In Angelo, we trust.